qui m'a marqué dans la préparation du talk, c'est le côté collectif. C'est qu'on était 5 et qu'on a travaillé ensemble. On a appris des uns des autres pendant cette durée. Et puis, on a appris à apprécier d'être ensemble. Voilà, donc ce qui était super. Alors, avant de monter sur scène, je suis très concentré, un peu stressé quand même. J'ai pas très bien dormi hier soir. C'est la première fois que je fais ce type d'exercice. Donc, on est un peu en zone d'effort quand même. Je dirais, voilà, très concentré avant de monter sur scène. Alors, sur scène, j'étais très concentré sur le public, en essayant de, voilà, de rentrer en relation avec le public. On est sur la relation client, donc le client, c'était le public. Et j'essayais de passer voilà, l'émotion que je ressentais au public qui était devant moi. Une fois que ça s'est terminé, j'étais très heureux d'avoir passé ce moment sur scène avec le public, très heureux d'avoir eu ce moment collectif et de partage avec donc, les quatre autres intervenants et le public. Moi, mon message ce soir, c'était l'importance de l'émotion et de l'humain dans la relation client. Voilà. Au-delà des outils qui sont nécessaires, au-delà des techniques, à la fin, on parle d'humain et de l'importance de rentrer en relation avec, avec des clients. Et ça passe par l'individu. Alors, l'expérience de Talker, c'est une expérience unique. Moi, c'était la première fois que j'avais ce type d'exercice à faire. C'est très différent des présentations que l'on fait d'habitude. Et c'est une expérience à vivre. Donc, foncez, devenez des talkers.